Faites attention à pas en rater d'autres. Faites attention. C'est tout, c'est ça, ton nouveau plan génial? Dis-moi, Maggie, il y a quelque chose en particulier auquel on doit faire attention? Je suis à deux doigts de prendre un bout de tissu et de te bâillonner. Ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mets-toi sur la pointe des pieds et essaie. Ça va, ferme-la. Tous les deux. Le genou a failli crever. T'en as rien à foutre de lui. C'est faux, c'est elle qui en a rien à foutre. Elle nous fait son numéro de dictateur depuis qu'on est parti. Elle écoute pas ce que je dis, elle écoute pas ce que lui dit, même toi, Daryl, elle t'écoute pas. On sait même pas s'il y a une sortie au bout de ce tunnel. Le responsable, ou les responsables, de ce carnage sont peut-être encore dans le coin. Est-ce que cette pensée vous a traversé l'esprit? Ouais. Évidemment. Donc on est en train de marcher sciemment vers notre mort. Et t'es la joueuse de flûte qui nous entraîne toujours plus loin. Si vous êtes tous à l'aise avec ça, très bien. Allez-y, amusez-vous. Mais pas moi, pas aujourd'hui. Je reste pas ici. Moi non plus. Quoi? C'est un crétin, mais il a pas tort. Ouais, on n'aurait pas dû venir ici. On se sépare pas. C'est pas à toi d'en décider, mon pote. Laisse-le partir. Il est censé nous aider, mais la seule chose qu'il fait, c'est nous ralentir. On peut pas. Pourquoi? On a besoin de lui, il connaît la ville. Oh, c'est pour ça que je suis là? Je suis votre guide touristique de Washington. Y a personne qui sait lire une putain de carte parmi vous? Je vais te dire pourquoi je suis là, Monsieur Muscle. Elle veut me faire crever ici. Même si on sort d'ici, moi je reviendrai pas. Elle trouvera un moyen, elle trouvera une raison, elle le fera elle-même. Loin des yeux indiscrets de ses amis d'Alexandria. Ici, dans la jungle. Mec, je pensais vraiment que t'étais dans le coup. Je te jure. Mais maintenant, je vois à ton regard perdu que t'en avais aucune idée. Comme vous tous. Tu es paranoïaque. Mais j'ai raison. Vous voulez vraiment mettre vos vies entre ses mains? Elle a pas la tête à ce qu'elle fait, parce qu'il y a que moi dans sa tête. J'habite dedans jour et nuit. Alors Maggie, si t'espères me faire mourir discrètement, ça n'arrivera pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à en finir. Ici. Et maintenant. Parce que je vais pas te laisser me traîner dans la boue, la crasse et le sang. Et m'abattre comme un chien. Tout comme Glenn.